Bonjour les amis, ici Gros Choco Geek et ravi de vous retrouver sur un nouveau jeu, un jeu tendance steampunk, tendance londonien, tendance un peu barré, tendance un peu coloré, qui me donne envie de me balader, de découvrir cet univers un petit peu comme j'ai découvert il y a un temps BioShock ou Dishonored. Ces jeux, j'y rejouerai sûrement sur la chaîne parce que ce sont des jeux que j'aime beaucoup. Donc tant qu'à faire, autant y rejouer. Mais pour l'instant, nous nous lançons dans Happy Few, un jeu qui est sorti il y a 3 jours sur Steam. Même si des youtubeurs ont lancé le jeu, ont fait le premier niveau, nous allons tenter d'avancer dans l'histoire, ensemble, en difficulté normale. Donc nous rejoignons Arthur, qui est un censeur, on va dire que c'est un censeur. Ah, on ne nage pas dans la rivière, il y a des produits toxiques. Et on ne pêche pas non plus. Mouah. Voilà. Arthur Hastings. Tu pourrais te pincer très fort. Ah, c'est qui le patron? C'est qui le patron? Cuillère! I should just take my joy, shouldn't I? D'ailleurs, j'en profite 2 secondes pour avoir une petite pensée de sollicitude envers tous les gens qui s'appellent Arthur, qui depuis Camelot ont leur prénom associé à un ustensile de cuisine. Courage, la mode passera, les gens oublieront, ça prendra du temps. En attendant, ça reste drôle. Alors on va commencer par prendre de la joy, histoire de voir ce que ça donne. Right. Happiness is a choice. Is a bug on a drug. Voilà, voilà, bien joué la boutique, hein, bien joué la boîte qui a mis cette petite fin rapide au début qui dit vivons heureux, vivons cachés, vivons drogués. Bravo Compulsion Team, ce jeu était fabuleux. Je vous remercie d'avoir suivi ce let's play jusqu'à... Non, je déconne, on va finir sur l'espace, on va ne pas prendre le... Nous allons lancer la véritable aventure, celle à laquelle on ne prend pas. On ne nage pas, c'est tout pourri. Take my joy, shouldn't I?
Percy! Percy! Been up to? No one's seen you for hours. Oh, nose to the grindstone, you know. Then why haven't I heard a single whoosh through the door since 10 o'clock? Did you forget we're having Deirdre's birthday party? Oh. We've got a pinata. Right. Brilliant. Of course. Have you forgotten your joy? Of course not. Snug as a bug on a drug. Well, come on then, finish up. Just have a few more pages. I know you're very busy. Then don't take too long to finish. Placide. The power cell's empty. Well, what will you do? I'll get a new one. Placide comme un invalide sous acide. Alors, on va prendre la batterie vide. Et puis, on va se lever. Parce que, mais elle a plein de choses à nous dire. It can't be this hard to finish up a day's work, can it? Donc il n'y a rien, on va prendre la batterie pleine. Une poubelle Dalek, Dalek, exterminé, exterminé. C'est très probablement un vrai clin d'œil à Doctor Who, parce que c'est un jeu anglais, les gars. Hein. C'est un jeu anglais avec une horloge à poil à frire. Une sucette, poil à frire. Poil à... Ah, c'est le même. Il y a un chemin. Bon. Yep. Arthur Hastings, employé du mois. Service des archives, du recyclage et de l'impression, ville de Wellington Wells. Bon hop. Ah oui, il faut remettre le jus. Alors, on va lire l'article ensemble. Perceval et As... What are we going to do, Arthur? We're brothers. We'll look out for each other. That's what we'll do. Alors, Perceval et Arthur Hastings ont été les gagnants surprise du Scrap Drive. Je ne sais pas ce qu'est le Scrap Drive. Arthur a dit au juge que son frère avait une mémoire photographique. Percy savait exactement où toutes les vieilles voitures et machin allaient dans le district du jardin. Perceval lui-même a rarement parlé aux étrangers, apparemment. Les morceaux de métal vont être fondus pour être utilisés pour supporter l'effort de guerre contre l'Union soviétique qui avance splendidement. Les frères ils ont fait le record de 1654 morceaux de métal, gagnant $50 dans la victoire contre le communisme. Le second prix est allé à Allen Unwin qui ne gagne pas. Qui en a ramené 315. Ouais. C'est bizarre cette histoire. Bon, on va valider le document. Right. Nobody's having nightmares over that. Well, I expect you in the conference room presently. Don't dawdle. You don't want to miss the pinata. Wasn't Prudence supposed to be coming back today? I made her a welcome back card. That's a rather inconvenient bit of history. Le plan d'enregistrement de la naissance des enfants. On va tout valider. Soyons fous. Donc ça, c'est la drogue de la mélancolie. De l'anti-mélancolie. Donc je pense que c'est la joy, quoi. Right. Voilà. Toujours fermé, toujours invalide, toujours immobile. Toujours fermé, toujours verrouillé. Do you think the canister wonders what life's like outside the tube? Of course he'd have to break the tube to get out. That would break it for everybody. Clive Birth was... Alors, lire. Voilà. Oh, regardez, Mademoiselle Bing a écrit une lettre à Clive. Cher Monsieur Birtwistle, c'est très gentil à vous de me suggérer comment réorganiser le service. Je suis toujours reconnaissante aux jeunes employés de m'indiquer comment faire mieux mon travail de directrice. Cependant, je pense qu'il serait déstabilisant d'échanger votre bureau avec celui de Monsieur Hastings.
Par chance, le roulement est élevé dans ce service. Si Prue ne revient pas bientôt, il n'y a aucune raison pour que je ne vous donne pas son bureau. En attendant, reprenez donc une pilule de Joy et vous sentirez bientôt le soleil réchauffer votre visage, même si votre bureau n'a pas de fenêtre. Cordialement, Victoria Ping, directrice. Allez, prends ça, Clive, espèce de petit merdeux. Statistique. Ok, ça c'est complètement... Ok, ça j'ai même pas... You're off at the party, aren't you? Bon, on va la fouiller, mais elle est clairement vide, hein, vide. Ah, ici, il y a une batterie vide. Ah, tiens, on va fermer les encore un petit peu. On va tout valider. Je laisserai quelques secondes pour que vous puissiez lire si vous le voulez. Bon, ça, c'est un journal de guerre, en fait. I think we can live with that. Service de taxi restauré sur trois roues en vélo. Wellington, réouverture. On va tout valider. Alors le jeu, ça n'est pas que ça, hein, je vous rassure. Mais j'aime bien ce petit... Cette petite... Ah, bout de papier. V. Alors je change ce bouton. Chère directrice Bing, l'un de vos employés est un agitateur et peut-être même un rabat-joie. Je l'ai entendu parler à un de ses amis à la cafétéria et dire qu'il trouvait ridicule d'écrire de vieux articles et qu'il ne comprenait pas pourquoi la vérité était si dangereuse. C'est un homme grand, mince, avec des cheveux noirs, les yeux marrons et des lunettes. J'aurais dû lui demander son nom, je sais, mais je suis une femme naturellement timide et... Et ça s'arrête là. Une femme naturellement timide, hein, vraiment, Clive. Ou juste un manipulateur narcissique. Hein? That little shit. He wants my view. Ouais, enfin, ça peut se comprendre, quoi. Crockett. C'est vrai qu'il a une fenêtre? J'ai même pas fait gaffe qu'il y avait une fenêtre. Il y a une fenêtre? Ah oui, il y a une fenêtre. Oh, le... Waouh. C'est un peu vide, mais c'est beau. Whatever happened to you, Prudence? On va se cacher. On va jouer cache-cache. Prendre la batterie vide, mettre la batterie pleine. Je vous laisse lire quelques secondes. Et nous approuvons. Ah, désolé, j'ai été un peu vite. Hein? Tant pis. Le dessin au-dessus m'a perturbé. Une bataille de fleurs. On vous laisse lire. Essayez de mettre la... C'est pas évident de... Bon. Voilà. On vous laisse lire là. Nanani nanani nanana nanani nanana nanani nanani nanana. Mama, manami, mamani, monani, nanana, manana. On valide.
Si, on approuve. Alors, je ne sais pas si ça aura des répercussions sur le jeu par la suite, mais je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. Alors, Shell Beach, est-ce que c'est pas... C'est où? Je l'ai vu, Shell Beach. C'est où? You're not coming back, are you, Prue? Voilà. Shell Beach. Where did you go? Est-ce que c'est un rapport avec Dark City? Est-ce que c'est un clin d'œil à Dark City où ils voulaient tous aller à Shell Beach? Ou est-ce que je me gourre? Comité de divertissement et hobby de Wellington Wells, concours annuel de cordes à sauter, prix de la meilleure attitude décerné à Prudence Holmes. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Concours par équipe de Jacadi. Bah dis donc. C'est une tueuse dans les soirées de jeux de société, la petite dame. Oh. We seem to be a bit behind in our work now that you mention it. Bon, y'a rien du tout. Par contre, une batterie là, on va prendre. Est-ce que je peux déjà? Ah oui, je peux déjà. Out for lunch. C'est bizarre quand même. C'est pas grave. There you are. You nearly missed the piñata. It's the most adorable Spanish custom. Uncle Jack did a whole show about it. You smash it until all the sweets come out. Elle fait pas un bruit. Come on, hit it, hit it. Elle fait pas un bruit normal. Hit it. J'ai pas le choix. C'est ça qui est dommage. Oui. Hit it. Et si je tape pas, ils font quoi? What are you waiting for? Give it a whack. Go on, give it a big old whack. Hit it. Hit it. Hit it. Hit it. Hit it. Ouais, pas le choix. You are off your joy. Take one of mine. Oh my lord. He's a downer. Call security. We've got a downer. Take your joy. Probably a bad time to ask for that raise. Downer! Hey, which point two? You smell gas? Flaming Nora. Forget it, there's no time. Bien, cela termine notre première session. Donc j'espère que vous avez aimé. La suite viendra très vite. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour suivre le fil de mes actualités. Si vous avez quelques petits euros qui vous restent, pensez à mon petit Tipeee. Le lien est dans la description. C'était Gros Choco Geek sur We Happy Few. On se dit à très bientôt. Et gardez le sourire.